Voici les gens qui ont fait le tour du monde. Bien entendu, l'histoire varie selon sa provenance, mais au 19e siècle, Guy de Maupassant publia la légende du Mont Saint-Michel, une version bien personnelle de la griffe du diable. Je me permets ici de vous raconter ma version de cette histoire. À une certaine époque, bien avant celle de l'émancipation de la femme, la société patriarcale imposait que chaque membre de la famille prenne son rang et assume son rôle. Le papa jouait son personnage de père. Il travaillait en hier et mettait son poing sur la table pour gagner. Travail, toujours travail. La maman, quand elle s'occupait de la marmaille, voit de tout amazonner. Oui, en ces temps-là, les passe-temps se faisaient rares. Pas de radio, pas de télévision, pas d'ordinateur, même pas d'électricité. Les corvées se succédaient tout au long de la journée. On les exécutait sans leur poser de questions. La femme s'occupa de la maisonnée, c'est-à-dire du lavage, du repassage, du nettoyage, de la préparation du les animaux et attendait que le à la maison pour affirmer son autorité. Toutes les tâches terminées, les femmes pouvaient profiter du peu de temps libre que leur restait pour tuer ce temps, mais avec beaucoup d'imagination. En effet, quoi de mieux pour passer le temps que de chercher les prétextes pour entamer une bonne chicane avec sa voisine. À tous les ans, au mois d'août, on s'appellerait la cueillette de bleu. Bien jeté, bien sucré, les fruits faisaient de joie de toute la marmaille. Seulement, cette année-là, pour une raison encore inexpliquée, les bleus étaient rouges. Qu'à cela ne tienne, ils goûtaient bon. Un beau matin, la bonne femme Bouchard, le bébé sur le dos, se dirigeait allègrement vers le champ de fruits pour y faire sa cueillette. Sa voisine qui la surveilla intercepta. Tu vas où comme ça, ma bougresse? Cria Madame Jarrier. Tu dois donc des affaires, vieille folle? Répliqua Madame Bouchard. Voleuse de bleuets, je te prends sur le fait. Voleuse toi-même, je t'ai vu en cueillir l'année derrière, hypocrite. Tout le monde se sert. Tu le sais trop bien. Ce sont les bleuets sauvages et ils sont donc à tout le monde. D'autant plus que c'est Dieu qui les fait pousser. Ajouta Madame Bouchard. Va donc chez le diable. Réjouria la famille. En effet, les habitants du coin n'avaient aucun scrupule quand il s'agissait de ramasser des fruits qui poussaient dans ce champ. La terre appartenait bel et bien à un bonhomme, mais la personne ne le voyait. C'était secret et ne se mêlait guère aux habitants du village. Il sortit toute la nuit, parlait-il, et nul ne pouvait dire où il habitait. Du reste, il possédait ce tel depuis quelques années. Mais pour revenir à Madame Bouchard, celle-ci marchait pas une ferme avec son bébé jusqu'au champ. Elle y cueillit des bleuets rouges une bonne partie de l'après-midi, ramassant une bonne quantité de fruits, suffisamment pour préparer de bonnes confitures. Elle rentra à la maison sans se questionner sur la couleur des baies ou encore de la clandestinité de son entreprise. Après tout, ses fruits appartenaient à tout le monde et c'est Dieu qui les faisait pousser. La terrier, quant à elle, fortement jalouse, décida d'y aller à son tour le lendemain. Elle voulut se rendre au champ à l'insu de tout, surtout sans que la Bouchard n'en s'aperçoit. Seul au champ, elle cueillit, elle aussi, une bonne grosse poignée de fruits rouges bien mûrs. Vers la fin de l'avant-midi, alors qu'elle se pencha pour ramasser ses dernières baies, une homme s'approcha d'elle et interpella d'une voix très grave et caverneuse. Ce sont mes fruits que vous criez là?
La bonne femme terrienne se retourna doucement et aperçut le mystérieux propriétaire de la terre. Elle le balaya du regard quelques secondes sans dire mot. Face au soleil, les yeux de la terrienne ne pouvaient distinguer que la silhouette effroyable de cet homme. Une tête en forme de triangle, des mains immenses avec des ongles qui se recourbaient sur ses doigts. Ce monstre avait le dos courbé et les épaules emboutées. Aussitôt, la terrienne poussa un cri terrifiant juste avant de s'enfuir à toute vitesse à sa demeure. Elle courut à s'empoumener sans relâche, mais elle savait que la bête la suivait. Oui, elle avait bien reconnu. C'était le diable en personne. Sans même y penser, elle alla se réfugier chez Madame Bouchard, qui était dans sa maison en train de lire un livre. Que se passe-t-il donc? Demanda la bonne femme Bouchard, étonnée de voir sa voisine à bout de souffle et l'air complètement horrifié. Rigolette, là-bas, le monstre! Le monstre? Quel monstre? Demanda la Bouchard qui n'en croyait pas ses oreilles. Aidez-moi! Le diable me pourchasse! Le diable? La bête était juste sur un rocher, tout en face de la maison des Bouchard. Les deux femmes se tenaient par la main. La peur leur nouait la gorge. Elles sortirent de la maison pour essayer de trouver du refuge. Quand Madame Bouchard a eu une idée. Prenons-le, dit-elle à sa voisine. Il est pur. Il nous protégera contre les maléfices de Satan. Il n'aura aucune emprise sur lui. Le diable rageait et pestait sur son rocher, car la vue d'un enfant était la seule chose qui la puisse le paralyser. Sa colère était si grande qu'il griffa le rocher avec ses ongles de pied et de main, et il laissait ainsi des traces indélébiles dans le roc. Après quoi, le diable s'envanouit dans l'horizon et les deux femmes furent dès lors sauves. Encore aujourd'hui, les traces laissées par le diable substituent à Saint-Lazare de Bellechasse. On y chante même la rire du griffe du diable dans un célèbre festival. Wouhou! Yeah! Voici la jeune qui a fait le tour du monde. Mais... Can you fly? Yeah. Wait! Go back! Do it! Go! Fly! Let him fly. Aiden, can you fly? Croyez pas ses oreilles? Aidez-moi! Le diable me pourchasse! Le diable? Encore aujourd'hui, les traces laissées par le diable substituent...